अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग, गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता है। चुटकी भर बरसात ना, disons que ça représente la police, et cette fleur le chef. Et maintenant tu dois juste savoir quelle fleur te rend plus heureux quand tu la vois. À présent, le choix t'appartient. Moi j'aimerais juste te dire que tu devrais choisir celui qui te semble le mieux pour toi. Papa, je voulais te dire que... Aujourd'hui tu vas aller à la sélection des inspecteurs. Papa, je me disais juste que si tu m'accompagnais à mon travail aujourd'hui, je pourrais te montrer comment c'est. Ce qu'il veut, c'est que je sois comme lui. Que je devienne inspecteur. Ishika, je suis complètement perdu. C'est très simple pourtant. Disons que ça représente la police, et cette fleur le chef. Et il te suffit simplement de choisir l'une des deux. Alors maintenant, tu choisis celle que tu veux. Celle qui t'apportera plus de bonheur. Si ce n'est pas celle-là, ça ne te rendra pas heureux. Ce n'est pas ton rêve de devenir inspecteur. Mais c'est le rêve de papa. Si tu deviens inspecteur, papa sera très heureux. Mais toi... Toi, tu ne le seras pas. Et tant que tu ne seras pas heureux dans ton cœur, tu ne pourras jamais rendre quelqu'un d'autre heureux sur le long terme. Mon conseil, écoute ton cœur. Parce que lui, il ne se trompe jamais. Ishika, comment je pourrais penser à moi? J'ai énervé papa de nombreuses fois. Rupendra, ce que te dicte ta tête est juste, et ton cœur aussi. Maintenant, à toi de décider. Et si tu n'arrives pas à prendre une décision, accorde-toi un peu de temps. Ce que j'ai à te dire, c'est que ce que tu choisiras sera bon pour toi. N'hésite pas. Parce que la décision finale sera bien pour toi. Sera bien pour ton père et pour tout le monde. J'en suis convaincue. Merci. Je t'en prie. Allô? Oui? Je vous rappelle. Merci. Une minute.
Cette chemise de nuit appartient à Kinjal. Où est ta chemise de nuit? Un rat est entré dans l'armoire. Et il a déchiré tous mes vêtements. Je dois donc porter ceux de Kinjal pour le moment. Attends. Excuse-moi. Ouais. Qui les a déchirés? Un rat. Alors le rat a choisi seulement tes vêtements. Parce que mes vêtements n'ont rien, regarde. C'est le choix du rat. Hein? C'est son choix. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais je vais avoir de nouveaux vêtements. Mon mari va m'en acheter avec son salaire. D'ailleurs, tous les maris le font pour leurs épouses. Tu sais quoi? Maintenant, tu commences à ressembler de plus en plus à une vraie femme au foyer. Alors, c'est un problème? Papa? Papa, je voulais te... Arrête-toi. Waouh, ça te va très bien. Aujourd'hui, tu vas aller à la sélection des inspecteurs. Papa, je me disais juste que si tu m'accompagnais à mon travail aujourd'hui, je pourrais te montrer comment c'est, comment ça se passe et tout ça. C'est une invitation pour une fête ce soir. Si tu viens avec moi, ça me fera très plaisir. Mon fils, pourquoi tu perds ton temps avec ça? Fils, cherche le statut, la fierté, le respect, tout ça, dans cet uniforme. Il n'est pas dans cet uniforme-là. Tiens, réfléchis encore. Tu pourras passer le concours pour entrer dans la prochaine sélection. Parce qu'il ne te reste qu'un mois et un jour. Réfléchis. Allons-y! Ishika, c'est pour qui ce masque de beauté? Kinjal, tu peux le prendre. Tiens, voilà. Jigna, donne-moi ta main, je vais mettre du vernis sur tes ongles. Oui, mais... Écoute, je sais que tu en avais besoin, donc je t'ai acheté de nouveaux vêtements. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial aujourd'hui pour que Jigna et moi avons droit à ce tout nouveau look? Dès que Rupendra arrive, il vous dira tout. Donc, un peu de patience, s'il te plaît. Personne ne m'a rien dit. Mais tu n'as pas besoin d'attendre pour regarder cette série. Regardez. Dasharath Chowk, Dombivli. Yahan chalti hai maa bete ki aur chalti rahegi. Pyar hi to hai ye ki kisi ki aawaz nahi nikalti is chaukhat par. Bajao taali. Savitri bai. Ki kon? Aapki bahu. Aapke bete ne mere saath saath phere liye. Uske saath vachan nibhane aayi hu. अब डोंबीवली में क्राइम चलेगा या कानून? ये बताए कौन? गठबंधन 15 जनवरी से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे. Attends, où est cet idiot de Maharashtra? Et où est cet officier de police de Gujarat? Comment est-ce qu'ils vont se rencontrer? Comment est-ce qu'ils vont faire pour se marier? Écoute Kinjal, s'ils doivent vraiment se marier, ils vont y arriver. Prends exemple sur Ishika et Rupa. C'est comme le mariage. Rien n'était prévu à l'avance. De toute façon, moi, je trouve que cette histoire d'amour est très intéressante. Je ne vais pas manquer un seul épisode de cette série, je le sens. Jigna, je te le dis déjà. Si tu regardes un seul épisode de cette série alors que je ne suis pas là, alors tu verras. Chaque épisode avec toi, du lundi au vendredi,
Tous les soirs à 21h. Exact. Regarde, c'est fait. Parfait, non? Écoutez-moi tous, j'ai une surprise. Je crois que ça devrait vous plaire. Je m'en vais et je reviens tout de suite. Dites, Kashan, vous savez ce qui se passe? Personne ne m'a rien dit. Ah. Voilà, il y a une fête de bienvenue à l'hôtel de Rupendra. Rupendra a assuré. Il a impressionné tout le monde pour son premier jour. Je suis une femme très fière. Et nous, des sœurs très fières. Oui. Et moi, une fière maman. Ah, prenez ça. C'est quoi tout ça? Des cadeaux? Je savais déjà que tu étais doué, mon fils. Tu l'as dit à ton père? Je lui ai dit, mais... Ce n'est pas grave. Même si c'est plus tard, il finira par te comprendre. En tout cas, tu auras toujours ma bénédiction. Alors prends ça, maman. C'est pour toi. Et ça, c'est une invitation. Je vous invite tous les deux. Préparez-vous. On va y aller. Rup et Shika. Si mon mari ne vient pas, je ne pourrai pas venir moi non plus. Vous savez bien que dans cette maison, les filles ne sont pas autorisées à sortir tard le soir pour aller dans les fêtes. Vous comprenez? Maman, Kinjal et Jigna ne seront pas seules du tout. Mais avec leurs frères et leur belle-sœur aussi. D'ailleurs, vous avez dit que je pouvais habiter dans cette maison en toute liberté. Alors je vous le demande, s'il vous plaît. Comme la belle-fille de cette famille qui amène ses belles-sœurs avec elle, je voudrais que mes belles-sœurs Kinjal et Jigna viennent avec nous pour soutenir leurs frères. D'accord. Kashan et Rupesh, vous aussi, vous devez aller avec eux. Les enfants vont y aller, donc vous pouvez vous amuser vous aussi. Non, non. Monsieur Shamsher et vous, n'y allez pas, donc nous n'y allons pas non plus, d'accord? Ce sont de jeunes enfants. Laissons-les s'amuser. Donc, pas de problème? Ma tante est là. Elle va venir avec nous, n'est-ce pas? Oui, c'est une très bonne chose. J'étais debout dans le couloir à vous écouter. Je veux dire, je passais par là et je vous ai entendu parler. Où est-ce qu'on va? À une fête. À une fête? Vous voulez venir avec nous? Oui, oui, bien sûr, oui. Je vais aller me préparer rapidement. Vous aussi, préparez-vous, hein? Allez, allez, allez! Allez, il se fait tard. Venez. Allez, Rupendra! Tiens-toi droite, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Très joli. Avec ton costume, mon frère, on dirait un super-héros. Merci beaucoup. Bon, maintenant, où est ta femme, hein? On va être en retard pour la fête. Appelle-la. Oui, elle... Je suis déjà là.
La fête? Oui, on y va. On espérait que la sœur et le beau-frère d'Imani seraient venus avec nous. Ils me manquent beaucoup à moi aussi. Mais ils ont du travail tous les deux, donc ils ne peuvent pas venir. Il faut qu'on soit là-bas à l'heure. On doit y aller. On y va? Oui. Juste deux petites minutes. Maintenant que tout le monde s'est mis sur son 31, on va prendre une photo d'abord. On veut des souvenirs. Ah, bien sûr, bien sûr. Oh non! Allez, Rupesh, combien de photos vous allez prendre, hein? On va être en retard pour la fête. Allons-y, allons-y. Oui, allons-y. Au revoir. Allez, allons-y. Faites attention, d'accord? Oui. Viens, frère, viens. Soyez les bienvenus dans ma maison. Venez. Comment tu trouves ma maison? Charmante. Merci. Les amis du propriétaire sont venus. On ne les accueille pas comme il faut? Toute la maison, toute la propriété doit être à mon nom, tu as compris? Si tu ne le fais pas, je m'occupe de toi jusqu'à demain matin. C'est compris? Salutations. Salutations. Qu'est-ce que vous faites? Asseyez-vous. Asseyez-vous, faites comme chez vous. Non, pas vous. Alors, mes frères, qu'est-ce qu'on boit? Whisky? Non, 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 pas de whisky. Aujourd'hui, j'ai envie de boire de la vodka. Tout ce que tu veux. Partons. Où allez-vous? Vous n'avez pas entendu le souhait de mes amis? Mettez toutes ces bouteilles directement dans ma chambre, tout de suite. Allez. Je dois apporter de l'alcool. Tu veux que moi, je l'apporte? Belle maman. Le dîner. Romila et Vaishnavi, vous, la glace. Et toi, des verres de whisky tout de suite. Allez. Aujourd'hui, tous les membres de cette famille sont mes domestiques. Compris? Allez. Hop. Les membres de la famille Patel, servez-les comme il faut. Ce sont mes amis. Amusez-vous bien, mes amis. N'hésitez pas. Prenez ce que vous voulez. Dis, Ranveer, cette petite soirée n'est pas mal, mais il manque encore une chose. On s'ennuie un peu, non? Qu'est-ce que tu viens de dire, mon frère? Je vais y remédier tout de suite. Je vous ai dit tout ce que vous voulez. Tu es le meilleur, mon frère. Ma tante, venez. Très jolie. Ma tante, là-bas. Où? Venez. Là-bas. Oui, là-bas. Venez. Oui.
Bienvenue, Rupendra. Merci beaucoup. Voici Monsieur Anish Karia. C'est le directeur de cet hôtel et c'est quelqu'un... C'est quelqu'un de très bien. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, Rupendra. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Voici Monsieur Bhushan, notre chef cuisinier. Il a beaucoup de chefs dans cet hôtel, mais lui, c'est le grand chef. Mesdames, bonsoir. Bonsoir, Rupendra. Ça fait tellement longtemps que je t'attends. Oh non. Heureusement que Shamshar n'est pas venu. Tu vas bien? Ça va.